Écoute, quelqu'un que Dieu a fait sortir dans son pays en tant que pasteur, évangéliste, intercesseur, chante. Arriva dans ce lieu-là, la personne cache maintenant l'identité de Dieu. Je ne suis pas chrétien. Pourquoi? Parce que il a trouvé la famille l'a embrassé dans ce lieu-là comme Abraham. J'entre en Égypte, si on te pose la question, dis-le, tu es ma sœur et non ma femme. Alléluia. Amen. Dès qu'on me posera la question, non, moi je ne suis pas pasteur. Je suis tout court frère. Alléluia. Parce que tu as vu une sœur, elle a la nationalité pour profiter à cette personne. Alléluia. Parce que tu as vu un frère, il a un titre de 10 ans. Voilà, tu voulais profiter, tu casses ton identité de Christ. Alléluia. Dieu n'est pas du tout content. Dieu n'est pas du tout content. Sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Samuel, dans son vivant, il a parlé de la part de Dieu à Saoul. Et Saoul, par son orgueil, Saoul avait désobéi à la loi de Dieu. Il a désobéi à l'ainsi dit l'Éternel.
Dieu. Comme il était rejeté par Dieu, il était devenu ennemi de Dieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, une longue vie pour ceux-là qui nous combattent, une longue vie pour ceux-là qui nous haïssent, une longue vie pour ceux-là qui nous trahissent, afin qu'ils sachent que non, tu es le Dieu vivant, le Dieu qui agit et tu agiras dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons besoin que ces gens-là puissent devenir tes les enfants. Le péché nous sépare avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle engendre la mort physique sans Jésus. Et la mort physique sans Jésus engendre l'enfer. Dieu n'a dit rien à Abraham. Dans le verset 18, Abraham présenta Ismaël auprès de Dieu. Oh Dieu, Ismaël, Dieu t'a promis autre chose. Toi, tu présentes Ismaël auprès de Dieu. Dieu devient la demande d'Abraham. Il te fait voir ce qu'il t'a fait déjà donner.
Chasser tout esprit négatif, l'esprit de vol, l'esprit de pauvre diable, l'esprit de distraction qui ne veulent pas afin que tu puisses recevoir la parole de Dieu, l'esprit de lourdeur, de faiblesse, chasse-le dans ta vie afin que tu puisses recevoir la bonne nouvelle au nom de Jésus. Voilà, pour ce nom de Jésus. Papa, je prends le temps de faire des sorties. Chasser les esprits négatifs, ça peut nous dérouler. Tu vas donner le pouvoir de marcher sur le corps, sur le serpent, et sur tout le monde qui est derrière le pouvoir de Dieu.
Je condamne tout ce qui est démoniaque. Je condamne tout ce qui est satanique. Je condamne tout ce qui est méchant. Et puis malgré tout le monde est satanique sur ce nom, je le déclare dans les noms de Jésus. Je le condamne dans les noms de Jésus. Car combo la Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je renverse notre tête du diable. 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 Tout ce qui est méchant. Envoie maintenant le feu dans le camp du diable, dans le camp de cardinaux, dans le nom de Jésus-Christ. Père, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu dans le camp du diable, j'envoie le feu dans le camp du diable. Dans l'instant de ce nom sud, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Invoque maintenant le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous couvrir en ce lieu. Que le sang de Jésus puisse inonder en ce lieu au nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, sur la croix, Seigneur, tu as fait couler ton sang afin que nous soyons protégés. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je veux organiser ton nom, Dieu. Je veux ton sang. Que ton sang puisse inonder en ce lieu. Que ton sang puisse déborder en ce lieu. Que ton sang puisse nous couvrir, Père de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang. Je sens le sang de Jésus. Je n'ai pas ton sang en ce lieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Merci Père des armées pour cette opportunité qu'il nous a accordée, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole. Nous savons très bien que le pauvre diable n'est pas du tout content. Voilà, Père des armées, mon Dieu, il est sous nos pieds, le pauvre diable, il restera sous nos pieds. Seigneur de gloire, nous t'invitons, cher Saint-Esprit, assiste-nous, Père des armées, mon Dieu, tu t'es bien à l'affaire, ô Père, que toi, seul Jésus-Christ, tu puisses nous parler ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, El Shaddai. Père, suis-moi, je viens sous un simple instrument que tu as fait, afin que je puisse parler de ta part. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, je t'en supplie, accorde-moi ton intelligence. Accorde-moi ta sagesse, accorde-moi ta connaissance. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Merci de m'avoir exaucé, ô Père. Tu es digne d'être loué, adoré. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Merci, l'agneau de Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Nos cœurs sont disposés afin que nous puissions recevoir ta parole. Sois loué, sois béni, sois exalté. Loin de nous. Tout ce que le pauvre diable a préparé. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Que l'Éternel Dieu soit loué. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1er.
Jérémie chapitre 1, commençant par le verset 4. Jérémie chapitre 1, verset 4. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Amen. Acte des apôtres. Chapitre 10. Là, nous allons prendre beaucoup de temps. Le premier jusqu'à 48. Acte chapitre 10. Je lis la parole de Dieu. Il y avait en Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrière, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Dès que l'ange qui lui avait parlé fit partir, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles et la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de fié ni d'impie. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pire ne le regarde pas comme fié. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même
que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voilà et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes qui lui étaient envoyés de la part de Corneille, voici, je suis celui qui vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille s'en tenait homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc le fit entrer et le logea. Le lendemain, il se leva et partit avec quelques-uns de frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez l'heure, dit-il, qu'il est dépendit à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme sué et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, Corneille, près de la mer. Quand il sera venu, il te parlera. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvra la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël à leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu
faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il avait fait dans le pays des Juifs, en Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparît non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fit ressusciter les morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'entendre que celui qui était établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient pour tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Amen. Ah, merci, vous vous asseoir. Amen. Peuple de Dieu, merci d'avoir patienté parce que l'heure était longue. On ne peut rien faire. Nous devons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Si nous devons bien comprendre les Écritures. Dans l'ancienne alliance, nous venons de lire la révélation, la prophétie de Dieu à son serviteur Jérémie. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Jérémie en disant à Jérémie, avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. C'était la conversation entre Dieu et Jérémie. Dieu parlait à Jérémie, Jérémie répondait à son Dieu. Pourquoi Jérémie répondait à son Dieu dans cette manière? Il avait eu peur. Il avait peur en lui. Alléluia. Amen. Il voyait que non, c'est une mission lourde pour lui. Vu qu'il était un enfant, il était petit. Il voyait que il ne saura pas accomplir cette tâche. Mais Dieu l'avait assuré que non, sauras. Tu assureras cette tâche. Tu assureras cette mission. Tu accompliras cette mission. Dieu a fait l'appel de Jérémie avant que sa maman puisse concevoir la semence de Jérémie. Alléluia. Avant que Jérémie puisse être né, puisse être engendré, Dieu avait déjà consacré Jérémie. Dans d'autres termes, avant que Dieu puisse fonder le monde, Dieu connaissait Jérémie. Alléluia. Il était déjà choisi par Dieu. Voilà pourquoi mon thème d'aujourd'hui est intitulé « Tu es le choix de Dieu ». Amen. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu.
Le dimanche, nous avions parlé sur le thème « Malgré tes richesses, mais Dieu a besoin de toi. » Le sous-thème était « Dieu n'est pas perdant. » Bien-aimé, notre Dieu n'est pas perdant, Amen. Il ne sera jamais perdant. Amen. Et il ne peut jamais être perdant. Amen. Nous pouvons avoir en nous l'intelligence. Je le dis à tout moment, beaucoup de diplômes, beaucoup de richesses. Mais si tu n'as pas Jésus, zéro. Rien ne passera dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons être beaux, belles, autrement créés. Mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Amen. Oh, que Dieu appelle tous les peuples. Amen. Dieu n'a pas les préférés. Dieu appelle tous les peuples. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a créés pour un but. Il ne nous a pas créés pour que nous puissions faire n'importe quoi. Alléluia. Dieu nous a créés pour un but. On est tous des appelés de Dieu. Dieu n'a jamais créé un démon. Dieu n'a jamais créé un sorcier. Tout ce que Dieu a créé était bon, très bon même. Alléluia. Nous pouvons dire que non, on est tous des serviteurs de Dieu. Nous pouvons dire que non, on est tous des enfants de Dieu. Mais à une seule condition, d'accepter l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. À une seule condition, d'accepter l'appel de Dieu. Amen. J'ai suivi un homme de Dieu. Il a été chassé. Il se permet d'appeler un monsieur serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. On peut trouver ça comme si la folie. Alléluia. Amen. Parce que cet homme, il est encore dans le monde. Il est encore dans le monde. Amen. Mais lui, l'homme de Dieu, il sait très bien c'est comment, pourquoi il a appelé cet homme-là serviteur de Dieu. Amen. Selon la révélation de Dieu, Jérémie était déjà consacré prophète avant qu'il soit devenu serviteur de Dieu, enfant de Dieu même. Amen. Avant qu'il puisse recevoir l'appel de Dieu, il était déjà consacré par Dieu, spirituellement. Si tu n'as pas de révélation, tu diras que non, cet homme de Dieu-là, il est fou. Ok, il n'est pas fou. Il a fait cela selon l'ainsi, dit l'Éternel. Amen. Mais cet homme est païen encore. Il est encore dans le monde. Mais l'homme de Dieu osa de lui dire que non, serviteur de Dieu. Il sait pourquoi. Moi, j'ai encouragé cela. Moi, j'avais encouragé cela. J'ai même dit que non, cet homme, tôt tard, il sera serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le monde, les gens diront que non, il était déjà serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le temps de citer son nom parce qu'on le connaît tous. Amen. On le connaît tous. Mais il est païen. Il est dans le monde. On ne peut pas le repousser. On ne peut pas le repousser. On ne peut pas le rejeter. Mm. Il est créature de Dieu. La Bible dit chaque chose a son temps. Mm. Dieu nous a beaucoup aidé le dimanche. Nous a parlé de cet homme, Naaman. Un homme qui était malade, un homme considéré, guerrier, vaillant homme, fort. Mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Amen. Mais quand il a écouté la parole de Dieu, quand il a entendu parler de Jésus, quand il a entendu parler de Dieu d'Israël, il n'a pas fermé de sa bouche. Il était parti voir son roi. Son roi lui avait donné une lettre. Et l'homme, cet homme est descendu lui seul avec ses serviteurs jusqu'en Israël pour se rencontrer avec le roi d'Israël. Dieu nous a fait voir le roi d'Israël quand il a lu la lettre. Il déchira ses vêtements. Mais quand le prophète Élisée a vu cela, il regretta pourquoi le roi a déchiré ses vêtements. Dit à cet homme-là de venir chez moi.
afin qu'ils sachent que non, il y a un prophète. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que non, afin qu'ils sachent que non, il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons témoigner que le nom de Jésus-Christ, amen, même si que Dieu t'utilise puissamment, amen, nous devons élever que le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des erreurs. Bon, c'est pour que, c'est pour nous donner aussi des leçons. Alléluia. Amen. La Bible nous fait voir Jérémie était déjà choisi par Dieu, il était déjà consacré par Dieu. Mais une chose que nous devons recevoir, nous devons savoir plutôt, c'est que Dieu a dit à Jérémie, parce qu'il voyait Jérémie avait la paix en lui. Dieu a dit à Jérémie, tu n'iras pas faire l'œuvre de ton père biologique, mais tu iras faire mon œuvre à moi. Voilà pourquoi Dieu disait à Jérémie, je suis... Jérémie dit, je suis un enfant. Car tu iras, Dieu dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mmh. Alléluia. Amen. Tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Si nous avons la connaissance en nous que non, le service que nous on est en train de faire, c'est le service de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons jamais avoir peur. Amen. Parce que tout ce que nous dirons, ça vient de l'Éternel. Amen. On n'est que mandaté par Dieu. Si tu adresses, si tu annonces la parole divine venant de l'Éternel, personne ne te fera du mal. Amen. Même si que on voulait te faire du mal, Dieu te défendra. Amen. Alléluia. Amen. Dieu paiera par tous les moyens que pour que tu puisses être la tête et non la queue. Amen. Jérémie avait beaucoup souffert. On l'avait tabassé fortement. Mais Dieu le délivra toujours. Il était toujours délivré. Il était toujours visité par Dieu. Alléluia. Amen. Oui. Tu es le choix de Dieu. Si réellement tu es bien aimé, tu es le choix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Si tu étais déjà choisi par Dieu avant même la fondation de ce monde, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. La paix de Dieu est pour tous, pour tout le peuple. Pierre avait sa mission. Pierre avait sa mission. Il était parti à Jopé. Il n'était pas parti voir ses concubines. C'est ma cambou, non. Il était parti faire l'œuvre de Dieu. Arrivant à ce lieu-là, Dieu a pu voir sa vision à un païen, Corneille. Cet homme Corneille était païen. Alléluia. Amen. Il était païen. Mais le problème, c'est quoi? Cet homme, il craignait Dieu pendant qu'il était païen. Il craignait Dieu. Il respectait le sabbat. Un païen, s'il vous plaît. Il respectait le sabbat. Il craignait Dieu. Il faisait ses aumônes. Il priait. Il respectait ses heures de prière. Il sait très bien que à 12 j'ai rendez-vous avec mon Créateur. Il va aller. À 14h, j'ai un rendez-vous. À 18h, j'ai un rendez-vous. Il y respecte ses rendez-vous. Païen Corneille. Mais il y respectait le rendez-vous avec Dieu. La Bible dit, dans leur ville, les Juifs parlaient positivement, ils témoignaient en faveur de cet homme Corneille. Il priait, il faisait du bien aux gens, Un jour, Dieu a vu un certain païen Corneille. Il me dérange beaucoup. Il est païen, il est étranger, mais il a la crainte de Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Quand Dieu a vu cela, Dieu était bousculé. Dieu était touché là où il est. Dieu a envoyé
son ange arriva auprès de Corneille. L'ange disait à Corneille, écoute, Dieu a entendu. Il a écouté ta prière. Tout ce que tu fais, Dieu a vu cela. Voilà, Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Comment, dans quelle façon, dans quelle manière Dieu a exaucé la prière de cet homme païen? Quand il faisait des aumônes, cela veut dire qu'il avait, beaucoup d'âmes. Il avait des serviteurs. Corneille. Dieu dit, l'ange dit que non, Dieu a écouté ta prière et il a exaucé ta prière. Dans quelle façon? Dans quelle manière? Lui qui a beaucoup d'argent. On lui avait donné encore une autre vie, d'autres entreprises. Non. Alléluia. Quelle réponse que tu attends auprès de ton Dieu? Waouh! Tu as deux entreprises. Tu pries comment? Ta prière est comment? Et t'adresses comment à Dieu? Pour que Dieu puisse t'ajouter une troisième entreprise, quatrième, cinquième. Ce n'est pas le cas de Corneille. Ce n'est pas le cas de Corneille. Si je peux comprendre la pensée de Dieu, si je peux comprendre le secret de Corneille, il demandait à son Dieu la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Corneille voyait que non, j'ai de l'argent, j'ai des richesses, mais il me manquait quelque chose. Je respecte mes rendez-vous avec Dieu. Je prie Dieu. Je suis son créature. Je suis son peuple. Mais Corneille disait que non, je voulais devenir maintenant ton disciple, ton enfant. Accorde-moi cette grâce. Il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien aux pauvres. Un païen. Voilà pourquoi j'ose toujours vous dire que non, il y a des païens, des païennes qui font mieux que les chrétiens. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui ne prie pas, je ne sais pas quoi. D'ailleurs, le dimanche, je vous ai dit, il faut faire beaucoup d'attention d'insulter les païens. Moi, je suis circoncis. C'est là incirconcis. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention. Avant que Dieu puisse parler à son serviteur Pierre, Dieu se révéla d'abord à qui? À Corneille. Dieu se révéla à Corneille. Deuxièmement, Dieu a averti Pierre. Spirituellement, Pierre a refusé cela. Quand Dieu a envoyé quelque chose pour lui, Pierre a dit non, ça ce sont des choses impures, je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas toucher les choses impures. Pierre a rejeté. La Bible dit, ce que Dieu n'a pas appelé impur, il ne faut pas dire que non, c'est impur. Ce que Dieu a déclaré pire, c'est pire. Amen. Ce que Dieu n'a pas déclaré impur, ne le dit pas que non, c'est impur. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais juger Dieu. Dieu peut te dire aujourd'hui, va te marier avec une femme prostituée. Peut-être c'est ta femme de la vie. Si tu refuses, laisse-moi te dire, tu vas souffrir dans ta vie. Dieu peut te dire que non, va te marier avec cet homme-là, même si qu'il est bandit. Même si qu'il n'a pas de dents dans sa bouche. Mais quand tu regardais l'homme, la personne en question, mais non, mais ça c'est quoi ça? Ça ce n'est pas la voix de Dieu. Ça c'est le démon. Ça c'est l'esprit de ma tante paternelle. Ça c'est l'esprit de mon oncle maternel. Non, c'est ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a envoyé l'homme de ta vie, il n'a pas les dents dans sa bouche. Alléluia. Dès que tu refuses, tu rates l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Moi, je vous dis souvent, il faut écouter le si de l'Éternel et de le mettre en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Attention, l'apparence trompe. Pierre a refusé. Mais là-bas, déjà, Dieu se montra déjà devant l'homme d'Arcornet. Il était exaucé. Dieu lui a dit que non. Il y a mon serviteur qui est quelque part. Envoie tes serviteurs pour qu'ils puissent aller faire l'appel de Pierre et devenir auprès de toi. Il te dira ce que tu feras. Alléluia.
Ce n'était pas de lui compléter d'autres serviteurs. Non. Pierre avait quoi? Il avait que la parole de Dieu. Il te fera voir que Jésus-Christ, il a déjà abandonné son serviteur, son service là au but de Libongo, là, sur Baramoto. Il a abandonné tout. Il était devenu disciple de Jésus. Il a tout abandonné. Si il bagarrait, il avait tout abandonné. Tu peux venir tabasser Pierre, il te regardera comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il était devenu esclave de Jésus. Il te dira, il te dira tout ce que tu feras. Il te dira tout ce que tu feras. Corneille, de son tour, il a pu voir cette vision à ses serviteurs. Et il a envoyé ses serviteurs auprès de Pierre. La vision de Dieu était vraie. Quand ces deux gens-là ont arrivé à l'endroit, ils ont crié à haute voix, ils ont demandé si Pierre est là. Là où Pierre a descendu, Dieu l'a dit, descends vite, j'ai envoyé deux personnes auprès de toi. Fasse tout ce qu'ils te diront et puis prépare-toi, vas-y avec eux ensemble. Alléluia. C'est Dieu qui faisait marcher, ce Dieu qui faisait fonctionner Pierre. Il ne pouvait rien faire. Mais le mal que non, il avait refusé la nourriture que Dieu lui avait envoyée. Alléluia. Il a jugé ça comme des choses impires. Or que c'était pire devant Dieu. Alléluia. Mais heureusement, il était rempli de l'Esprit Saint. Pierre a posé la question à ces deux gens-là. On lui avait tout expliqué, tel que Corneille a vu dans sa vision. Pierre a logé ces gens-là. Le matin, ils ont pris la route jusqu'à la maison de Corneille. Quand Pierre est arrivé, écoute, quand Corneille a vu Pierre, comme si il a vu un Dieu, il a vu Dieu en personne. Corneille s'est prosterné devant Pierre. La sagesse de Dieu en Pierre. Pierre disait quoi à cet homme Corneille? Lève-toi. Je suis un homme comme toi. Je ne suis pas à la place de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi et toi, nous sommes obligés d'adorer que l'Éternel Dieu. Amen. Moi, je ferai que ce que Dieu me dit de faire, un point très. Amen. Je ne suis pas là pour que tu puisses m'adorer. Non. Alléluia. Amen. D'autres problèmes dans le temps de Corneille. Bien-aimé, Corneille païen, il avait compris. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, la pensée de Corneille, la prière, la demande de Corneille, ce n'était pas pour que Dieu puisse lui ajouter d'autres entreprises. Non. Il demandait à Dieu la vie éternelle. Sans Jésus, donc il était nul, il était incapable, il était malade, rien ne fonctionnait. Mais il avait beaucoup d'argent, il avait ses serviteurs, mais il lui manquait quelque chose. Alléluia. Il lui manquait quelque chose. Baya homme Naman, guerrier, l'homme considéré, il lui manquait quelque chose. Je vous ai parlé de la RDC, pays riche, fortement riche, mais il y a quelque chose qui manque en RDC. Dans ce monde que nous vivons, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des sages, mais laissez-moi vous dire, dans ce monde, il nous manque quelque chose. Alléluia. La Bible dit, le monde est dirigé sous la puissance du diable. C'est-à-dire que non, le monde est vide, le monde nous manque quelque chose, il nous manque quelque chose dans ce monde. Si le monde entier reçoit Jésus-Christ, bien-aimé, laissez-moi vous dire, il n'y aura plus de conneries. Amen. Il n'y aura plus de conneries. Amen. Alors, pour que le monde puisse recevoir quelque chose venant de Dieu, pour que le monde puisse être complet, nous devons d'abord commencer dans les nations. Amen. Il faudrait que toutes les nations puissent recevoir ce qu'il manque. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Corneille a fait, ça a touché encore le trône de Dieu. Corneille
voulu recevoir la nourriture divine, divine tout seul. Il appelle l'appel de sa famille. Il appelle l'appel de ses amis intimes. Il n'a pas voulu que ces gens-là puissent rester dans l'ignorance. Un païen, bien aimé, un païen, il n'a pas encore reçu la parole de Dieu, mais il a déjà évangélisé sa famille, ses amis intimes. Même si tu étais son ennemi dans leur famille, viens écouter la parole de Dieu, de nous réconcilier là. Amen. Combien de fois nous, qu'on était déjà devenus enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, alléluia. Amen. Attention, un païen, tu négliges un païen. Écoute, papa, nous, on avait eu un baptême, Dieu a parlé pour notre baptême. Cela, Dieu n'a jamais parlé. Alléluia. Amen. Où est ton âme? Alléluia. Amen. Celui qui n'a pas encore reçu le baptême d'eau, il a évangélisé. Venez écouter, venez recevoir la bonne nourriture. Il a pris toute sa famille. Il a rassemblé sa famille dans sa maison, ses amis intimes dans sa maison. Quand Pierre entra dans la maison, Dieu envoya Pierre auprès de Corneille. Mais quand Pierre entra dans la maison de Corneille, il trouva la foule. Mais c'est quoi cette histoire? Alléluia. Mm-hmm. Pierre a eu peur. Parce qu'il n'y avait pas la relation entre les dupes et les étrangers. Amen. C'était interdit. Il ne pouvait jamais faire l'alliance de manger, d'entrer dans la maison d'un étranger. Pierre entra dans la maison, mais ce Dieu-là me livre ou comment? Alléluia. Lui, il croyait que non, tous ces gens-là étaient prêts pour le boxer. Alléluia. Il pouvait me prendre le fruit. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec la révélation de Dieu, Pierre, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, je sais ce que je voulais faire. Alléluia. Amen. Bien, mais je vous ai dit le dimanche, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Cette petite fille, on le voyait petite fille, mais elle a annoncé la bonne nouvelle à Syrie. Alléluia. Amen. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Le chef de l'armée, Naaman, a eu la guérison à travers cette petite fille. Le roi était paniqué à travers cette petite fille. Celle qui était en captivité, bien aimé. Combien de fois vous et moi, nous sommes libres, totalement libres. Hey, Daniel à Babylone en captivité, mais il faisait l'œuvre de Dieu. Joseph dans la prison privée du roi Pharaon, il faisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien aimé, on est totalement libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si on est vraiment libre, si nous avons rencontré la vérité, nous devons faire de l'œuvre de Dieu. Nous devons évangéliser. Alléluia. Corneille, un païen, avant de recevoir Jésus, avant de recevoir la bonne nouvelle, il a évangélisé. Il a évangélisé. Combien de fois nous, combien de fois vous et moi, nous ne pouvons jamais laisser ces gens-là en danger. Alléluia. Amen. La paix de Dieu est pour tout le peuple. On était tous des Grecs. Amen. Dieu nous a fait grâce. Écoute bien aimé, Pierre était grec. Pierre était païen. Il était transformé pour transformer aussi d'autres gens. Il a reçu pour communiquer aux autres, à d'autres gens. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire l'œuvre de Dieu. Corneille a rassemblé toutes les personnes dans sa maison. Pierre attend. Écoute. Pierre n'a pas dit de combien de paroles là. Pierre, il a commencé de leur raconter l'histoire de Jésus. Comment Christ était venu, comment il était maltraité, comment il était tué. Il n'a pas fini. Voilà pourquoi Pierre a placé son Dieu en première position. Dieu a déjà préparé le terrain. Pierre n'a pas fini de parler. Le Saint-Esprit est descendu chez le païen, chez les incirconcis.
qui n'ont jamais reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont reçu d'abord le Saint-Esprit. Amen. Ils ont reçu d'abord le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute, Dieu peut t'utiliser selon sa façon à lui. Tu peux recevoir le Saint-Esprit avant même que tu sois baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Selon l'administration de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais écoute, tu as cette grâce-là. Tu as reçu le Saint-Esprit avant que tu sois baptisé. Il faut savoir que non, la grâce que tu as reçue, ceux qui sont dehors, ceux qui sont restés dehors, peuvent aussi recevoir cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu est en train de faire à nous, bien-aimés, il peut faire aussi dans leur vie. Amen. Je l'ai dit à tout moment, ils ne sont pas nos ennemis. Amen. Papa, nous, dans le Seigneur, nous faisons du mal que ceux qui sont dehors, ceux que nous appelons les païens. Amen. Et ils font mieux. Et ils ne connaissent pas le commandement de Dieu. Nous, nous avons le commandement de Dieu en nous, mais nous n'agissons pas correctement. Nous agissons mal. Vous trouverez la haine, la colère, la jalousie, la sorcellerie. Toutes les choses de ce monde, ça se trouve chez nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais en corneille, attention, il y a des corneilles. Il y a des corneilles. Il y a des corneilles. C'est des corneillettes. Alléluia. Il y a encore des corneilles. Attention. Sinon, tu vas injurier un corneille. Qu'il fasse le bien que toi. Amen. Qu'il fasse le bien que moi. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Amen. Tu es le choix de Dieu. Pierre, malgré tout, a refusé de manger ce que se faisait à vie, les choses impures. Mais il avait compris. Il a dit ce que Dieu n'a pas appelé impie, il ne faut plus appeler impie. Amen. Ce qui est pire aux yeux de Dieu, juste comme ça, pire. Amen. Si Dieu ne te dit rien, n'ajoutez pas, n'ajoutez rien. Amen. Ce qui est pire restera pire. Amen. Ce qui est impie restera impie. Alléluia. Amen. Dieu a bien compris. Il a dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que nous allons les priver? Non. Baptise-les. Amen. Baptise-les. Et la Bible dit, Pierre a resté quelques jours, quelques mois, quelques années auprès d'eux pour les enseigner, pour leur faire voir le commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Dès que tu arriveras dans ta maison, relis encore l'article, tu comprendras la volonté de Dieu. Pierre était choisi de Dieu. De son tour, il ne pouvait jamais arrêter l'œuvre de Dieu dans la vie de Corneille, ainsi que de tous ces gens-là. Amen. Non, il était obligé de faire que la volonté de Dieu. Tu étais choisi, tu étais déjà choisi. Pierre était déjà choisi, Corneille, à peine qu'il était choisi par Dieu. Alléluia. Amen. C'est à Pierre d'enseigner Corneille. C'est à Pierre d'annoncer la bonne nouvelle à Corneille. Amen. Parce qu'à peine qu'il vient d'être choisi. Amen. Or que Pierre, il était déjà choisi. Il était devenu disciple. Alléluia. Bien aimé, on était déjà devenu des disciples de Dieu. Amen. Mais nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous n'arrivons pas à évangéliser. Je ne sais pas ces derniers temps, c'est ce que Dieu est en train de me dire. Tu as besoin de quelque chose. Tu voulais que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Mais passe d'abord l'œuvre de Dieu. Amen. Passe d'abord ce que Dieu est en train de te demander. Alléluia. Amen. Ne soyez pas comme cet homme Jonas. On l'envoyait quelque part, lui s'est dirigé quelque part. Or que la Bible dit dans Matthieu 28, Jésus a envoyé ses disciples. Dieu nous envoie d'aller faire toutes les nations des disciples. Toute cette
multiplié toutes les nations. Dieu a fait la paix de cet homme Abraham. Père de toutes les nations. Bien, mais écoute, je voulais te dire une chose. Nous disons très bien que non, la RDC, c'est un pays que Dieu a choisi. Oui. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a choisi toutes les nations. Amen. Alléluia. Amen. Il a choisi toutes les nations. Amen. Mais en refusant de faire ce que Dieu nous demande, nous, les enfants, nous, les Congolais, Dieu est capable de le communiquer à d'autres nations. Alléluia. Dieu ne peut être perdant. Il ne sera jamais perdant. Si tu refuses de faire l'œuvre de Dieu, d'abord le souffle que nous avons, ça vient de l'Éternel. C'est la propriété privée de Dieu. En refusant de faire l'œuvre de Dieu, Dieu est capable de ôter tous ces dons-là en les donnant à une autre personne. Il est souverain. Alléluia. Dieu a béni la RDC. Dieu a béni la RDC. Oh, nous sommes nés avec le talent de Dieu. Nous vivons en Europe. Même dans d'autres pays d'Afrique. D'autres gens, pour devenir même pasteur, il faut qu'il aille faire d'abord la théologie. Hein? Il faut qu'il aille faire si c'est quoi là donc. Hein? Non, je le forme hein, à peine de devenir prophète, évangéliste et pasteur. Beaucoup plus pasteur, docteur. Alléluia. La Bible dit, personne n'a formé Jérémie. Il était consacré par Dieu. Amen. Il était le réserviste de Dieu. Amen. Il était déjà choisi par Dieu. Amen. Si tu es devenu pasteur par rapport à tes enseignements, tes études, tu ne feras absolument rien. Amen. Tu ne feras absolument rien. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois choisi par Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Dieu dit, j'ai bien dit, Dieu appelle toutes les nations. Il envoie ses disciples dans toutes les nations afin de communiquer ses commandements, ses ordonnances. Alléluia. À tout ce peuple. Mais, il y a un préféré pour Dieu. Alléluia. Dieu dit, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Il y avait des serviteurs de Dieu. Mais il n'y a qu'une personne qui était le cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dirai ceci. Dieu a besoin de toutes les nations de devenir ses disciples. Mais il y a une seule nation qui est le cœur, le centre de Dieu. C'est ton pays à toi, la RDC. Amen. Alléluia. Amen. Attends, voilà pourquoi Dieu regrette beaucoup. Parce que tu n'as vu ce que Dieu a mis à toi. Tu n'es que ce que Dieu a mis en toi. Parce que ta nation à toi est le cœur, le centre de Dieu. Amen. Dieu a besoin que toutes les nations puissent recevoir la bonne nouvelle. Amen. Mais il sait là où il passe sa journée. Alléluia. Amen. Tu peux avoir quatre femmes bien-aimées. Ceux qui sont des polygames, ils savent très bien. Ils peuvent avoir quatre femmes, mais parmi ces quatre femmes, il y a une seule femme que l'homme en question passe toute la journée. Alléluia. Amen. Il y a une seule femme que si l'homme en question arrive là, il est tranquille. Alléluia. Amen. Dieu a beaucoup de nations. Dieu a envoyé ses serviteurs dans le pays de toutes les nations des disciples. Mais il a une seule nation
là où le cœur, les yeux de Dieu projette en RDC. Amen. Tu es le choix préféré de Dieu. Amen. Tu dois faire la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi nous sommes éparpillés? Pourquoi Congolais est éparpillé? Dans tous les quatre continents, Amen, vous trouverez le Congolais. Même chez les Chinois, en Chine, vous trouverez le Congolais. Amen. Même là-bas, à Afghanistan, vous trouverez le Congolais. Amen. Ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais une chose à savoir, il faut savoir pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Pourquoi Dieu m'a envoyé en Afghanistan. Amen. Les gens meurent. Mais toi, en tant qu'envoyé de Dieu, tu ne peux jamais goûter la mort. Tant que tu n'as pas encore fait la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous gaspillons les dons de Dieu. Comme ça, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mm. Comment voulons-nous que non, c'est Dieu-là puisse visiter ton pays à toi? Mm. Ton pays est en crise, ton pays est malade. Mm. Alléluia. Mm. Comment voulez-vous que Dieu puisse faire quelque chose dans ton pays pendant que tu as quelque chose de Dieu? Il y en a qui sont restés au pays. Il y en a d'autres qui sont déjà sortis. Dieu les a fait sortir. Pas pour faire n'importe quoi, mais pour publier. Écoute, quelqu'un que Dieu a fait sortir dans son pays en tant que pasteur, évangéliste, intercesseur, chante. Arrivant dans ce lieu-là, la personne cache maintenant l'identité de Dieu. Je ne suis pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la famille. La famille l'a embrassé dans ce lieu-là comme Abraham. J'entre en Égypte, si on te pose la question, dis-le, tu es ma sœur et non ma femme. Alléluia. Amen. Dès qu'on me posera la question, non, moi je ne suis pas pasteur. Je suis tout court frère. Alléluia. Parce que tu as vu une sœur et là la nationalité pour profiter à cette personne. Alléluia. Parce que tu as vu un frère, il a un titre de 10 ans. Voilà, tu voulais profiter, tu casses ton identité de Christ. Alléluia. Dieu n'est pas du tout content. Dieu n'est pas du tout content. Nous devons faire que la volonté de Dieu. Dieu t'envoie dans les rives gauches, toi tu te diriges autrement. Jonas, tu es pire que Jonas. Tu es pire que Jonas. Nous avons le continent d'Afrique, d'Europe, comme d'Amérique ainsi que d'Asie. Alléluia. Dans tous ces quatre continents, vous trouverez les Congolais. Vous trouverez les Congolais. Sont en train de faire quoi? Des pasteurs. Sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Il faut bien comprendre la volonté de Dieu. Dieu a fait sortir le Congolais pour annoncer la bonne nouvelle dans tout, partout dans le monde. Amen. Voilà, à un moment nous disons que non, dans le pays que nous vivons, c'est Sodome et Gomorre. Peut-être que nous voyons que non, c'est bon de le dire, mais parfois à Dieu ce n'est pas bon de le dire. Alléluia. Si Dieu t'envoie quelque part, cela veut dire que Dieu a besoin que tu puisses témoigner son nom dans cette vie, dans ce pays-là. Alléluia. Amen. Dieu sait. Dès que tu commenceras à injurier, à négliger, à repousser cette vie, ce pays-là, tu ne resteras jamais avec la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Alléluia. Pierre avait accepté. Il voulait se retirer. Dieu a dit avance. Voilà pourquoi quand il a commencé de dire, de parler de Jésus-Christ, il n'a pas fini. Il n'a pas fini sa prédication. Lui-même a descendu. Dieu a visité les païens. C'était le premier païen pour le ministère de l'apôtre Pierre. Alléluia. Comment expliquer? Dieu n'a pas de préféré. Si tu travailles bien auprès de Dieu, tu es son enfant.
tu es son ami, tu es son disciple. Si tu déconnes, il te met à côté. Alléluia. Amen. Il est souverain, il ne sera jamais perdant. C'est nous qui serons les perdants. Amen. Dieu non plus. Lui, il est éternel. Éternité en éternité. Il a la vie éternelle. C'est à nous d'approcher, d'en profiter vers Dieu afin de recevoir la vie éternelle. Dès qu'il te donne la vie éternelle, il ne sera jamais épuisé. Amen. Mais dès que tu refuses, tu seras perdant ou perdante. Amen. Ah, sachant que bientôt il sera là. Amen. Bientôt il sera là. Attention. Tu t'es retrouvé en Afrique, soit dans l'Afrique de l'Ouest. Bien aimé, sache bien que non, si tu es serviteur, si tu es enfant de Dieu, si tu es intercesseur, si tu es intercesseuse, si tu es chante, il faut savoir faire la volonté de Dieu. Amen. Demande à Dieu pourquoi je me suis retrouvé ici. Amen. Dieu a amené Pierre à Jopé. Ce n'est pas en vain, parce que Dieu savait que non, dans l'autre vie là, il y aura une personne que j'aurai visitée. Voilà pourquoi non, j'ai amené Pierre à Jopé. Quand je te dirai quelque chose, pour que tu ne puisses pas prendre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Dès que tu mettras 4-5 pas, tu arriveras à la maison de Corneille. Amen. Alléluia. Amen. Attention, la personne que Dieu t'a dit d'insulter, il est Corneille. Amen. Elle est Corneille. Amen. Il veut mieux, elle veut mieux que toi. Amen. Alléluia. Amen. Elle veut mieux que toi. Avant d'injurier quelqu'un, avant d'insulter quelqu'un, avant de surnommer quelqu'un, il faut d'abord savoir elle est qui. Il est qui? Amen. Corneille ou qui? Alléluia. Amen. Ah. Tu vas injurier Corneille pour rien. Oh, que Corneille, quand il faisait ses œuvres, il ne chantait pas. Mais toi, dès que tu fasses quelque chose dans la vie d'une personne, eh bien, écoute, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci, moi, c'est moi qui. Mais non. Alléluia. Amen. Corneille est plus que toi. Amen. Corneille est plus que toi. Amen. La prière de Corneille sera exaucée. Amen. Plus rapide que ta prière à toi. Amen. N'a pas la Yesu. T'as pas la Satan. Tu t'es marié avec Satan. Tu t'es marié avec Satan. Corneille n'a jamais incité, n'a jamais injurié. Il était un homme droit. Amen. Attention, un homme droit. Amen. Païen. Païen justifié. Hey! Païen justifié. Amen. Mais toi, vous et moi, des chrétiens, chrétiens, on est toujours reprochés par Dieu. Amen. Quel jour nous serons justifiés? Amen. Même pas un jour que Dieu nous justifie. Toujours nous sommes reprochés. 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 Corneille est justifié. Païen justifié. Païen justifié. Attention. Amen. Où allons-nous? Amen. Répandons-nous. Amen. Répandons-nous. Car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Dieu appelle tout le peuple. Dieu a besoin de tout le monde. Il ne veut plus perdre. Pas même une personne. Pas même une personne bien aimée. Sans vous mentir. Tu es choisi, oui. Tu es choisi. Tu es le choix de Dieu. Je n'en disconviens pas. Je ne disconviens pas, tu as choisi le choix de Dieu. Dieu t'avait déjà choisi. Avant que tu sois né. Avant même la fondation de ce monde, Dieu t'avait choisi, mis à part. Est-ce que ce que tu fais là, ça plaît à Dieu? Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Ce que tu propages là, ce que tu prêches là, ça vient de Dieu. Dieu dit à cet homme Jérémie, je t'enverrai. Ce que tu diras là-bas, c'est à moi. C'est moi qui te communiquera. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la parole
ou les paroles des parents biologiques de Jérémie. Non. Ce que nous propageons, ce que nous prêchons, ça vient de l'Éternel. Si quelqu'un est choisi par Dieu, si tu es le choix de Dieu, le préféré de Dieu, tu diras que la vérité. Alléluia. Amen. Tu ne diras jamais le mensonge. Tu diras que la vérité. Amen. Quelqu'un qui est injuste, tu dis que non, il est juste. Parce qu'il donne le mien. Hein? Parce qu'il donne le mien. Voilà pourquoi il est juste. Parce que celui-là, il n'est pas encore baptisé, donc tu es encore païen, donc tu peux rester là derrière, hein, bien-aimé. Reste-toi derrière. Toi, tu es né de nouveau, non? Oui, mets-toi ici devant. Alléluia. Oh, que Kaya Peba, elle est là pour vous séduire. Amen. Tu peux passer la sorcière, la sorcière devant. Elle va te séduire. Il va te séduire. L'homme capable, vu qu'il n'est pas encore baptisé, tu le mets à l'écart. Alléluia. Amen. Tu fais l'erreur, bien-aimé. C'est un corneille. Amen. Il est corneille. Il n'est pas encore né de nouveau, mais il a évangélisé. Il a grandi hein, le royaume de Dieu. Alléluia. Aussitôt, ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Alléluia. Avec combien de membres? Un ami fidèle. Bientôt là, je serai sauvé. Moi, Corneille, je serai sauvé. Est-ce que ne serait-ce mes frères dans la perdition? Non. Mes frères, venez. Venez écouter la bonne nouvelle. Ma famille, mes parents, venez, venez. Tu as des parents qui sont des sorciers. Tu as reçu Christ de ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu laisses tes parents dans leur ignorance, dans leur situation, dans leur maladie, dans leur lèpre. Et tu es le premier, la première de citer tes parents, de citer tes frères, de t'éloigner de tes parents, de t'éloigner de tes frères, parce que ce sont des sorciers. Mais tu as reçu Christ, pourquoi? Corneille n'a jamais reçu Christ, juste la révélation. Il a dit que non, ah, je ne goûterai jamais cette nourriture tout seul. Il faut que je puisse faire la paix de mes parents, de ma famille, de mes amis. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as déjà la parole de Dieu en toi. Tu as déjà goûté Christ. Tu as mangé le corps, tu as bu le sang de Jésus. Mais jusqu'à présent, tu es en train de citer, de t'éloigner des gens. Alléluia. Amen. Dommage. Serviteur des païens que je suis. Alléluia. Amen. Pierre a dit, advienne que pourra. Advienne que pourra. Même si que d'autres apôtres attendront là-bas que non, Pierre est entré dans la maison des étrangers, ce n'est pas mon problème, je ferai que la volonté de Dieu. J'ai écouté les signes, dit l'Éternel. C'est Christ qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a choisi. Alléluia. Ce n'était pas Jacques. Ce n'était pas Paul. Ce n'était pas André. Ce n'était pas Jean. Ce n'était pas Marie. Mais c'est Dieu que je faisais que la volonté de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu es le choix de Dieu. Je ne te dirai pas que non, comme je suis évangéliste, je suis spécial que toi. Parce que tu n'es pas encore devenu évangéliste. Alléluia. Amen. Jérémie était consacré en tant que prophète bien-aimé. N'attendez pas de devenir prophète ou pasteur. Alléluia. N'attendez pas de devenir apôtre ou docteur. N'attendez pas de devenir directement évangéliste. Alléluia. Le problème est que non, tu sois choisi. Alléluia. Si tu es déjà devenu enfant de Dieu, disciple de Dieu, c'est bon pour toi, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne te force pas de devenir ministre de Dieu. Ne faut plus aller étudier pour devenir pasteur. Non. Vas-y, va étudier pour avoir la connaissance. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la vraie connaissance, ça vient de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vraie connaissance, ça vient de l'Éternel. Amen. Combien de personnes ont étudié, ont fait la théologie, ont fait combien de fois de cours bibliques
Alléluia. Mais il n'arrive pas à défendre la parole de Dieu. Il n'arrive pas à témoigner le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'arrive pas à prêcher la parole de Dieu comme il faut. Il n'arrive pas à dire la vérité. Il fait que de négativité. Alléluia. À quoi sert-on d'aller faire la théologie si ça ne va rien produire au peuple de Dieu? Alléluia. Amen. Ce qui est important, bien aimé, de rester sous le pied de Dieu. Amen. De rester sous le pied de Dieu. Alléluia. Amen. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de ceux qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Amen. Tu te négliges pour rien, parce que tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es revêtu de l'esprit de Jérémie. Je suis un enfant, je suis petit, je suis petite, hein. Je ne sais pas quoi faire. Alléluia. Amen. Or que tu as oublié, celui qui t'a appelé est plus grand, celui qui parlera à ta place. Alléluia. Amen. Amen. La bouche appartient à toi, mais la parole appartient pas à toi. La parole est de Dieu. Tu seras que le prophète de Dieu, porte-parole de Dieu. Tu voulais faire quoi? Peut-être que tu as d'autres ambitions. Alléluia. Attention, tu es le choix de Dieu. La Bible nous dit quoi dans Ésaïe 56, nous allons tous découvrir ce que la Bible nous dit. Ah! Oh les païens! Oh les païens! Est-ce que sont des malheureux auprès de Dieu? Non! Les païens ne sont pas des malheureux! Parce que Dieu a un plan merveilleux pour eux! Dès qu'ils comprennent, dès qu'ils prendront la décision de suivre Jésus-Christ, bien-aimé, il y a des corneilles qui sont là. Ils font mieux que les enfants de Dieu qui sont élus. Hein. La Bible dit, Ésaïe 56, verset 6 à 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Alléluia. Amen. Dieu parle à qui? Parle aux étrangers. Dieu parle aux païens. Alléluia. Amen. Il ne parle pas aux justes. Il ne parle pas aux juifs. Il parle aux grecs, aux païens. Alléluia. Si tu te confies à ton Dieu, Corneille était païen. Il était étranger. Mais son holocauste était approuvé. Dieu a agréé cela. Dieu a agréé sa prière. Bien aimé. Voilà pourquoi nous disons souvent que moi j'ai pris, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai demandé, je n'ai rien reçu. Celle-là, elle est païenne. Celui-là, il est païen. Mais sa vie, vraiment, elle vit mieux. Il vit mieux. Elle est Corneille. Il est Corneille. Alléluia. Amen. Tu es chrétienne, hein? Ta prière ne sont pas exaucées. Tes prières ne sont pas exaucées parce que tu n'es pas droit. Dieu a trouvé la droiture à un Corneille. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu l'envies? Pourquoi tu l'envies? La prière d'un Corneille est exaucée par Dieu. Amen. Il fait ses aumônes avec la droiture, avec un cœur disposé. Amen. Il cherche Dieu avec un cœur disposé. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, attends que Dieu fait, attends que avant de Dieu, servir de Dieu, tu vas souffrir, hein, si tu ne changes pas. Amen. Amen. Ce n'est que la vérité. Amen.
Tu ne seras jamais justifié. Laisse-moi te dire, au dernier jour, tu seras condamné. Cornée sera justifié. Avant même l'arrivée de Jésus-Christ, Cornée est justifié. Avant même l'arrivée de Jésus-Christ, c'est toi, avant de Dieu, tu es déjà jugé. Amen. Comment expliquer? Alléluia. Caïn, dans le champ en présence de Dieu, son offrande n'a jamais été agréée. Il était au champ en présence de Dieu. C'est pareil qu'aujourd'hui à l'église de Dieu, tes prières ne sont pas exaucées. Voilà pourquoi tu es devenu méchant, méchante, en train de Alléluia. Amen. En faisant que du mal aux gens parce que ta prière ne sont pas exaucées, tes prières ne sont pas exaucées. Mais un cornet qui est encore dehors, il fasse mieux que toi, que nous. Amen. Voilà pourquoi il prospère. Nous accusons toujours Dieu. Ta vie, rien ne marche dans ta vie. Bon, ça c'est la volonté de Dieu. Hein? Ça c'est l'épreuve. Hein? Qui t'a dit c'est l'épreuve? Alléluia. Qui t'a dit c'est l'épreuve? Hey! Ne faut plus accuser Dieu. Ce n'est pas l'épreuve, bien-aimé. Est-ce que tu as discerné les choses? Parce que tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé disciple de Dieu, parce que rien ne marche, tu dis que non, ce n'est pas la tentation, c'est l'épreuve. Et maintenant, Cornée, c'est quoi? Chez Cornée, tout marche bien. C'est la tentation. Alléluia. Amen. C'est vice-versa. Chez Cornée, tout fonctionne. C'est la tentation. Chez toi, chez vous et moi, en tant qu'enfant de Dieu, rien ne marche, c'est l'épreuve. C'est le vice-versa. Il faut avoir le discernement, il faut discerner les choses. Au moment que toi tu dis c'est l'épreuve, or que ce n'est pas l'épreuve, c'est la tentation. La tentation, ça vient comment? Ça vient d'où? À quelle heure? Si tu ouvres la porte, alléluia. Si tu n'es pas droit, si tu n'as pas la vérité, et tu feras entrer dans la tentation qui est le pauvre diable. Amen. Mais Cornée, il a fermé toutes ses portes. Il a fermé toutes les portes. Où entrera maintenant la tentation? Amen. Mais il est païen. Il est étranger. Diable a eu peur de Cornée. Comment expliquer? Comment expliquer? Il y a des païens qui font peur le diable. Il y a des païens qui font peur le démon. Il y a des païens qui font peur les sorciers. Il y a des païens qui font peur les gens de ce monde. Alléluia. Mais il y a des chrétiens qui sont des passoires pour le diable. Il y a des chrétiens qui sont des passoires. Dès que Satan se présente, ta ta ta. Oh, il était bouffé par un sorcier. Comment expliquer toi en tant que Dieu rempli de l'Esprit Saint? Tu es bouffé par le sorcier, la sorcière de votre famille. Mais non, mais non. Comment peut arriver un sorcier puisse étouffer le souffle que tu as? Oh, que la Bible le dit à l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Diable n'a aucun pouvoir d'étouffer le souffle de vie. Pourquoi il n'arrive pas à étouffer le souffle qui est à Cornée? Pourquoi diable a eu peur de Cornée? Pourquoi le diable n'arrive pas à approcher le cornet? Alléluia. Pourquoi le cornet est protégé par Dieu? Pourquoi le cornet est justifié par Dieu? Pourquoi pas vous et moi? Alléluia. En d'autres termes, si notre pays, la RDC, n'est pas protégé par Dieu, cela veut dire qu'il y a la malédiction dans ce pays-là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment expliquer un pays comme le Rwanda puisse frapper la RDC? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons remettre, confier la RDC à ce Dieu-là. Amen. Afin que Dieu puisse prendre soin de la RDC. Amen. Nous accusons beaucoup de gens. Nous accusons beaucoup de gens. C'est la gâchette de l'Afrique, la RDC. Je n'en disconviens pas. Berceau de l'humanité, cerveau moteur de l'Afrique.
Je ne dis qu'on vient pas. Mais pourquoi la RDC souffre? Pourquoi la RDC souffre? Enfant de Dieu. Pourquoi la RDC souffre? Le pays de Dieu, la nation de Dieu, le cœur de Dieu, là où Dieu demeure, là où Dieu passe son temps. Mais entre-temps, les cornets sont prospérés. Alléluia. Amen. Là où on est, ce sont des cornets, Amen. Mais ils prospèrent. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne connaît pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des corneilles. Mais laissez-moi vous dire, il y a des corneilles qui font mien. Corneille était païen. Il était identifié en tant que païen. Il était identifié en tant qu'étranger. Mais vu que son cœur était disposé de Dieu, vu qu'il respectait le sabbat, vu qu'il respectait ses rendez-vous, voilà pourquoi il était toujours justifié par Dieu. Amen. Dieu a dit à Corneille, écoute, je te respecte. Toi, si tu me respectes, Corneille, je reçois tes prières. Tout ce que tu fais là, je le vois. J'approuve cela. Maintenant, il te manque quelque chose. Veux-tu devenir mon fils? Tu n'es que ma créature. Veux-tu devenir mon fils, Corneille? Oui, Père, je le veux. Ok, pas de problème. Reste-toi là, ça va s'accomplir certainement, ça accomplira. Attends la corneille. Dieu appelle la pelle de Pierre, pas dans cette maison-là. Il y a un réserviste qui s'appelle Corneille. Alléluia. Saul était déjà choisi par Dieu. Malgré qu'il faisait n'importe quoi, malgré tout, il maltraitait le fidèle de Dieu. Jésus a dit, tu n'as jamais maltraité mes disciples, mais tu m'as maltraité. Tu m'as persécuté. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit que non, Pierre, tu as persécuté mes disciples. Non. Dieu, Jésus a dit, tu m'as persécuté. Je te lis maintenant. Paul dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Va, tu verras une personne qui te dira de ma part. Alléluia. Amen. Parce qu'il était déjà choisi par Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il était le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Mais il te manque quelque chose. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de cornets qui traînent encore. Ils ont déjà écouté la parole de Dieu. Ils ont déjà averti par le Saint-Esprit. Mais ils traînent encore. Alléluia. Ils étaient déjà visités par Dieu. Combien de pays votre pays était visité par Dieu? Combien de fois? Combien de fois Dieu a envoyé ses serviteurs dans ce pays-là? Combien de serviteurs que Dieu a élevé dans ce pays-là? Mais il n'arrive pas à dire la vérité. Il n'arrive pas à propager la vérité. Prêchons la vérité. La RDC sera sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Je vous crache la vérité. Amen. De la part du Seigneur. Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Amen. Va évangéliser. Amen. Ton baptême à toi a été justifié par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'arrives pas à faire l'œuvre de Dieu. Tu n'arrives pas à évangéliser. Mais tu cherches quelque chose. Beaucoup de visions. J'ai eu ceci, j'ai eu ceci, j'ai eu ceci, j'ai eu ceci. Attends là. Ça va s'accomplir même en 2020. Amen. Alléluia. Amen. Si tu refuses de faire ce que Dieu est en train de te demander, ça accomplira jusqu'à 2050. Alléluia. Amen. À moins que tu sois justifié comme Corneille. Alléluia. Amen. Si Dieu te justifie comme Corneille, bien-aimé, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Amen. Dieu peut te voir des choses positives aujourd'hui. Amen. Mais dès que tu commenceras à faire sa volonté, ça sera aussi vite. Amen. Tu boucheras le trône de Dieu. Amen. Tu toucheras le cœur de Dieu. Amen. Dieu m'a dit ceci. Oui, c'est bon. J'ai entendu. On a entendu. Mais qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Pierre a dit, Corneille, relève-toi, je ne suis pas Dieu. On va faire tous la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu vois autre chose, Dieu aussi voit autre chose.
les choses. Alléluia. Amen. Tu insistes. Tu insistes. Est-ce que Dieu t'a appelé en tant qu'intercesseur ou intercesseuse? Tu insistes là-dessus. Je voulais rester là avec vous. Dieu t'a appelé en tant qu'intercesseuse. Hein? Oh, que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Mais toi, tu voulais devenir chantre. Tu voulais devenir protocole. Tu voulais devenir intercesseur ou intercesseuse. Tu seras perdant ou perdante. Alléluia. Amen. Tu sais qui était devenu cet homme cornet? Hein? Non. Il a eu une vision précise. Ça accomplit. C'était le même jour. À l'instant, Dieu a accompli cela. Mm. Alléluia. Amen. Tu peux être un homme puissant, une femme puissante. Fasse d'abord la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Va évangéliser. Tu toucheras le trône de Dieu. Mm. Tu bougeras le trône de Dieu. Mm. Tu toucheras le cœur de Dieu. Mm. Et ça sera plus vite. Amen. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vas-y, avec la force que tu as. Beaucoup de gens sont devenus de Jonas ou de Jonas. Dieu te dit A, tu réponds à Dieu B. Jérémie a pris fuite. Dieu l'a fait retourner. Retourne-toi là-bas. Je t'avais déjà eu. Alléluia. Amen. Je t'avais eu. Passe comme tu veux. Fais tes progrès, mais laissez-moi te dire, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Ce n'est pas à toi. Amen. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Amen. Ce n'est pas tes projets à toi. Amen. Oh, je vais devenir une grande dame, un grand monsieur. Passe-le. Passe-le, je t'encourage. Passe-le, bien-aimé. Je veux devenir un professeur de mathématiques. Vas-y, je t'encourage. Tu dépenseras pour rien. Alléluia. Amen. Je veux devenir un comptable, un super comptable. Vas-y, je t'encourage. Comme je suis en Europe, hein, je dois profiter. J'irai à mon pays, il faut que les gens puissent me voir que non, j'ai étudié en Europe, avec le diplôme de l'Europe. Vraiment, ça me paiera du bien. Vas-y! Quand tu arriveras dans ton pays, tu présentes ton diplôme là, tu n'arrives pas à le défendre. Mmh. Alléluia. Amen. Hein? Tu vas où? Oh, je suis en train de faire formation. La formation, quelle formation? Eh bien, la médecine. Ok, elle est en train de faire la formation. De menaces, le nettoyage, quoi? Oh là là, Seigneur. Tu perds ton temps pour rien, bien-aimé. En Syrie, la petite fille a évangélisé. En RDC, en Afrique, vous verrez des petites filles, des petits garçons. Ils balayent très bien. Il nettoie très bien la maison. Mais si en Europe, il faut que tu fasses la formation. Mm. Alléluia. Mm. Continue, je t'encourage. Continue à téléphoner. Continue à dire n'importe quoi. Au moment que toi, tu dis n'importe quoi dans ton téléphone, là, avec tel téléphone de 500 euros, c'est ton problème. Là, Cornet est en train de travailler. Alléluia. Cornet est en train de travailler. Un peu de croiser les bras, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Cornet est en train de travailler. Il est en train de travailler, il passe ses aumônes. Il est en train de travailler. Spirituellement, elle était déjà justifiée par Dieu. Amen. Et Dieu a appliqué cela physiquement. Amen. Voilà qu'on a été sauvé. Quelle est ta demande, bien-aimé, auprès de Dieu? Tu pries pour que les gens meurent. La Bible me dit, vous ne laisserez jamais, vous ne laisserez pas la magicienne vivre. Quelle merde! Oh non! Hey! Ça, c'est quelle sorte de prière? Tu es envoyé de qui, de Dieu ou de diable? Mm-hmm.
parce que tu as combattu. La Bible dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Cornet n'a jamais fait cela. Dans son entreprise, il y avait des malhonnêtes. Il y avait des gens qui priaient le bien de Cornet. Mais sa prière était que non, je puisse hériter le royaume des cieux. Seigneur, j'ai besoin de devenir ton enfant. Alléluia. Amen. Je suis ta créature, mais je veux devenir ton enfant. Il y a la différence entre créature et enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que non, Dieu appelle tout le peuple, tout ce peuple. Tu es peuple, ce sont des peuples, on est tous le peuple de Dieu. Mais Dieu a besoin que nous puissions devenir ses enfants, ses fidèles, ses disciples. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'avantage d'un chrétien. Mais il y a aussi des avantages. Amen. Si tu n'arrives pas à faire du bien, c'est des avantages pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la fin. Je pense que on est clair. Dieu continuera à nous aider. Il a besoin que nous puissions faire sa volonté. Amen. De répondre à ses invitations, je dis bien à ses invitations, d'accomplir sa volonté, de faire la mission dont tu nous as confié, alors nous serons justifiés par Dieu. Alléluia. Amen. Même si que nous prenons des fuites aujourd'hui, nous éloignons loin de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, le monde appartient à Dieu. Même si que la Bible dit que le monde, je dis bien, le monde appartient à Dieu. Le monde appartient au pauvre diable. La Bible dit le monde est dirigé sur la puissance du diable. Mais le monde appartient à Dieu. Le pauvre diable n'a rien créé. Partout tu iras, Dieu sera toujours là. Amen. Dieu sera toujours là. Il est là au-dessus. Il nous voit très bien, clairement. Amen. Il nous voit clairement. Nous devons faire la volonté de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alors, préservons nos langues. Préservons nos langues, préservons nos langues. Il y a des païens dehors qui font mieux que nous. Ce sont aussi le choix de Dieu. Ce sont le choix de Dieu. Peut-être que leur temps n'est pas encore arrivé. Combien de temps Corneille a commencé à prier? Il a commencé à prier à quel âge? À quelle année? Et Dieu l'a visité quel jour? Quelle année après? Alléluia. Chaque chose a son temps. Si nous on est là parce que le temps était déjà arrivé. Pour eux, le temps a été déjà fixé. Qu'ils attendent là, ça va s'accomplir. Certainement, ça accomplira dans leur vie. Dieu visitera des cornets. Il a plein de cornets là dehors. Voilà pourquoi nous devons préserver nos larmes. Nous ne sommes pas là pour insulter les païens. D'ailleurs, le mot païen n'est pas insulte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas insulte. Mais moi, à un moment, je vois ça lourd quoi, pour prononcer ça. C'est juste pour différencier entre païens et chrétiens. Alléluia. Amen. Préservons nos langues. Attention, celui, celle que tu es en train d'injurier, d'insulter, il est corneille, elle est corneillette, il fasse mieux que toi, il fasse mieux que moi, elle fasse mieux que nous, faisons beaucoup d'attention, alléluia. Combien de chrétiens ont beaucoup d'argent, ont des moyens, mais sont devenus désorgueillés. Ils n'arrivent pas à soutenir les gens. Ils n'arrivent pas à aider les gens. Beaucoup de chrétiens ont abandonné leur famille. Beaucoup de chrétiens ont abandonné leurs parents. Leurs parents souffrent. Beaucoup de chrétiens ont abandonné leurs enfants, leurs familles. Beaucoup de frères en Christ ne prennent pas soin de leurs femmes.
Beaucoup de chrétiennes ne prennent pas soin de leur mari. Beaucoup de parents chrétiens ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais nous trouverons dans le monde, les corneilles prennent soin de leur famille, de leurs enfants, de leur femme, de leur mari. Alléluia, comment expliquer? Ce sont aussi les descendants d'Abraham. Voilà pourquoi, quand Jésus entra dans l'église, Jésus trouva une femme qui était couvée pendant 18 ans. Jésus a dit, celle-ci, elle est la fille d'Abraham. Je dois la guérir. Je dois la redresser. Alléluia. Ce sont des descendants d'Abraham. On est tous des descendants d'Abraham. Dieu dit à Abraham, Dieu a donné à Abraham toutes les nations. Voilà pourquoi je vous ai dit, et chaque fois je vous l'ai dit, Abraham a intercédé pas seulement pour Lot. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorre. Son neveu était là. Oui, ces gens-là étaient des méchants, des imbibiques. Mais Abraham a intercédé en faveur d'eux. Alléluia. Amen. Une révélation pour terminer. Lot était qui pour Abraham? Il était le neveu propre d'Abraham. Lot était neveu propre d'Abraham. Pourquoi ils étaient séparés? Selon le signe de l'Éternel. Lot qui signifie voile, il voilait la main de l'Éternel dans la vie d'Abraham. Vu que Lot était toujours avec Abraham, Abraham ne pouvait rien voir. Il a fallu qu'il y ait la séparation entre Abraham et Lot. Pas la division, mais la séparation. Quand Dieu les a séparés, aussitôt Abraham a vu les étoiles, a vu la vision, a vu la main de Dieu, a reçu la promesse de Dieu. Mais écoute, aujourd'hui tu peux négliger ton Lot à toi. Il y a un message que j'ai prêché depuis Bordeaux. Le thème est intitulé « Le Lot de ta famille sera sauvé qu'à travers toi ». Alléluia. Celui seul qui est devenu ton ennemi peut être sauvé à travers toi. Comment Lot était sauvé? Mais c'était à travers l'intercession d'Abraham. Amen. Est-ce que Dieu a abandonné Abraham? Abandonné plutôt Lot? Non. Dieu a autorisé la séparation d'Abraham et Lot. Parce que Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham à ce temps-là. Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. Pendant que Lot était là, Dieu ne pouvait rien faire dans la vie d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu autorisa la séparation entre Lot et Abraham. Faisons beaucoup d'attention. Lot était parti se demeurer à Sodome et Gomorre. Quand Dieu est descendu, quand Dieu visita Abraham, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je voulais faire? Non, certainement Abraham, je l'ai choisi en tant que mon serviteur, père de toutes les nations. Il était le choix de Dieu. Dieu ne pouvait rien cacher à Abraham. Dieu a tout révélé à Abraham. Pourquoi Dieu a dit cela? Je vous ai donné les révélations de Dieu. Pourquoi Dieu a dit cela? Pourquoi il n'a pas caché à Abraham? Pour voir aussi le cœur d'Abraham. Si dans son cœur, il a la colère, la haine de son neveu Lot, parce qu'il voulait ses bénédictions. Dieu a trouvé rien dans le cœur d'Abraham. Abraham a commencé à intercéder. Il faut bien dire qu'à ce Dieu-là, détruit son homme également, parce que son neveu était là. Mais ce n'était pas le cas, ce n'était pas l'esprit d'Abraham. Celui qu'on appelle Lot, il était parti loger à Sodome et Gomorre. Mais quand les anges, Dieu présenta Sodome et Gomorre, où Dieu trouva Lot? Alléluia. Où Dieu trouva Lot? Ce n'est pas dans la maison, ce n'est pas dans la parcelle, ce n'est pas dans le cours. Il était dans la porte. Il était dehors dans la porte. Il tendait quoi? Alléluia. Ah, celui qui est en train d'insulter, bien aimé, toi tu crois que non, il est dans le désordre, ok, il est dehors. Toi tu crois qu'il est dans le monde, ok, il n'est pas dans le monde. Toi tu crois qu'il est en Babylone, ok, il n'est pas en Babylone. Il est hors de Babylone. Tu crois qu'il est en Égypte, ok, il est hors en Égypte. Lot, il était sauvé.
celui-là, l'ordre de ma vie, Seigneur, au nom de Jésus, que l'ordre de ma vie puisse mourir. Au nom de Jésus, te frappe l'autre. Non, Dieu n'a jamais frappé l'autre. Abraham n'a jamais frappé l'autre. Faisons beaucoup d'attention. Quand Dieu visita Sodome et Gomorre, la personne que Dieu a sauvée, c'était Lot. Avec sa famille. Alléluia. Dieu trouva Lot dans la porte. Il attendait quoi? Je croyais que non, l'endroit que j'ai choisi, c'est un bon endroit. Oh, que je suis foutu, Seigneur. Que ferais-je? Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je t'ai mis avec mon oncle. Aide-moi, Seigneur. La personne que tu es en train de repousser, d'insulter, tu ne sais pas dans son cœur il pense quoi, comment il prie, comment il dit à son Dieu. Il est Corneille, il est Lot, mais il adresse quoi à son Dieu? Toi tu l'insultes, un Lot, un certain Lot, un certain Corneille. Corneille, bien aimé, attention, tu ne connais pas son cœur, mais nous prions un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Amen. Il a une maladie en lui. Il voulait se débarrasser de cette fameuse maladie. Tu ne sais pas sa prière, comment il dit, comment il parle avec son Dieu. Tu le vois sale, impie. Pierre a repoussé les choses impies. Or que devant Dieu était pur. Il y en a des gens, il y a des gens, tu le verras dehors sale, mais à l'intérieur il est propre. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Tu le vois l'autre, mais à l'intérieur, il n'est pas l'autre. Dès que Dieu paiera quelque chose dans sa vie, les écailles seront tombées. Écoute, une révélation bien-aimée. Seul, et tu vois les fidèles de Dieu. Dieu ne voyait pas l'intérieur de Saul, il voyait l'extérieur de Saul, parce que les écailles étaient encore dans ses yeux. Quand il a rencontré Jésus, les écailles tombaient, il était devenu Paul. Alléluia. Amen. Ce n'était pas lui. Il y en a d'autres qui sont animés par les mauvais esprits. Il n'a pas l'ambition, l'esprit de faire du mal aux gens. Mais vu qu'il est manipulé, vu que Christ n'a pas encore pris la place, Amen. Voilà pourquoi il est toujours manipulé par les esprits de ce monde. Amen. Ce n'est pas par sa volonté. Ce sont des péchés involontaires. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas que non, il a décidé, il faut que je fasse ceci, il faut que je sache, il faut que je couche avec cette femme, il faut que je couche avec cet homme. Non, ça vient comme ça. Ah, Seigneur, pardon. Mais toi, tu vois de telles personnes, tu commences à être, c'est un faux serviteur, faux enfant, faux fils de Dieu. Et toi, tu es vrai. Corneille est dehors. Amen. Corneille est mieux que toi. Parce que la Bible dit, ce n'est pas le temps de juger ou de condamner. Mm-hmm. Mais toi, tu condamnes déjà. Malgré tout, tu es chrétien, tu n'es pas juste. Mm-hmm. On est, la, moi, je dis, la Bible dit, il n'y a même pas un juste qui fasse le bien ici sur la terre. Attends ton tour. Le jour que tu seras justifié par Dieu, à ce jour-là que tu diras que non, je suis juste. Mm-hmm. Dieu peut te justifier aujourd'hui là. Comme tu es là, Dieu peut te justifier aujourd'hui. Mais après des heures du temps, tu ne seras plus juste. Amen. Tu feras quelque chose qui ne plaira pas à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis souvent, Dieu, Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui. Si nous hériterons le royaume des cieux, ce n'est que par la grâce, sans vous mentir. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Si Dieu tape vraiment son bras, bien aimé, écoute. Si Dieu sait faire sentir, il n'y aura personne qui ira au ciel. Hmm? On est des mauvais. On est des méchants. Amen. On est des mauvais, on est des méchants. Amen. On est même des impudiques. Amen. Plus que même, voire même Pharaon. À quoi sert bon de juger les gens? À quoi sert bon d'inciter Saul, qu'il était devenu Paul, apôtre par excellence? Lot était sauvé. Dieu est venu à Lot, viens avec ta famille, Saul. Dieu a épargné Lot. La personne que tu es tenté de régner, tu es tenté de citer, de rejeter, il sera sauvé un jour par Dieu. Amen. Il sera nettoyé un jour par Dieu. Amen. Sa vie changera un jour. Même si aujourd'hui, elle ne voit rien. Laisse-moi te dire, au cours de ces
cette année. J'ai dit bien au cours de cette année. Ah, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Papa, merci pour tous les animaux. Kolo yo lobe li biso makaba motu ya yawe. Kolo sunga biso to sala we zali volonté na yo. Sunga biso nzambe na nguya to tabona na sanctification na yo. O nzambe na nguya to tiki ba frère na biso ba sœur na biso ba zali libanda yawe. O sunga bango bisika nyonso ba zali. O sunga bisika nyonso ba kutani yawe. Kolo yo sunga bango pete ba yai pai na yo. Ba yoka o ezali ya yo nzambe. Ba tambola na kobanga yo Seigneur. Nzambe na nguya to mitiki biso bimba ipai na yo to sala we ezali ya yo papa to yo katango nyoso we ezali ya yo to tchango na misala nzambe na nguya sunga biso o sunga basali na yo o sunga bisika nyoso mapota na biso ezwami papa baye bake yo zali nzambe baye ba nini oyo lingi kolo soki yo lelo yo ye to osuka wapi nzambe soki yo ye lelo kolo na lola nana kokota na royaume na yo me nzambe na bolingo na yo salela biso ngolu Sale la biso grâce, to za na posa ta munye so Seigneur, to landa o ezali a yo, to sala o ezali a yo, nzambe sunga biso kolo na lola, to wume na nasama kolo na yo, to wume le pai na yo, to sala o ezali o lingi to sala papa, sunga biso nzambe na bikamwa, na tiki bana nyosa mike na maboko na yo, na tiki pe basali na ona maboko na yo, kolo yo yaki na biso zonga na biso, yo kotika na basali na yo kontino ko protege bango. Nous sommes tous les deux comme les apirifiés de Makila Nayo. Quand nous visitons, nous sommes à Boutouna Lelo. L'homme est là, nous sommes à grandes choses, Yahweh. Quand nous sommes tous les deux, et si nous sommes pas là, nous sommes 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 là, Papa, nous sommes là, 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 nous Yesu sunga biso, yo kera biso mawa papa, to sala o ezali a yo, to sala o ezali volonté na yo, kono to tike yo mimoni sa, kati na biso ya we, ya go to lovi, merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen.